Hey sale, what the fuck? What the fuck? Allô le jeu? Bonjour, bonjour, je suis Bugman. On peut lui parler? Non, on peut pas lui parler. Lol, quand j'appuie sur A, ça le fait ralentir à mort. What the fuck? Est-ce que je peux l'arrêter? C'est quoi cette bug? Ok, ok le jeu. Donc on a Fantomas là parmi nous. Ok, donc je vais plus vite que lui. What? Mais c'est quoi ce délire? Ouais, je voulais faire mon épisode tranquille et voilà qu'il y a Torchman qui arrive là. Bref, j'allais dire bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de Pokémon Rouge 121, ça faisait longtemps. Putain, on dirait un début d'épisode à David Lafarge où je parle à 1 million de kilomètres heure, ce gros sac à merde. Bref, ça faisait longtemps donc je ne sais plus ce que j'ai comme Poké. Si, je me souviens des Poké, mais je me souviens plus de leurs attaques en fait. Alors, on avait Brazegali avec Vol. Ah, c'était pas mal. Oui, Draining Key, ça je me souvenais. Bonne Meringue, je me souvenais plus ça. Minecraft, je crois me souvenir à peu près de ce qu'il avait. Ouais, je me souvenais plus de Night Slash par contre. Je crois généralement j'ai oublié une ou deux attaques du Poké. Pringle, il avait Fatal Foudre. Ouais, c'est ça. Il avait Psybeam, ok. Pénétrator, donc Force de ce que j'ai vu, et Ice Punch, Earthquake. Ouais, Glaire pour paralyser. Ouais, Freezer, j'avais appris Surf. Je crois que j'avais appris Surf à la place de Déflagration, je crois. Parce que Déflagration, pas beaucoup de précision dans ces versions. Jump Kick, Mega Horn et Soin. Et le Chacripin, il a pas de CS. Une bonne vitesse. Shockwave, Mega Drain, Dazzling Gleam et Colère. Eh, hey, il était pas mal le Chacripin. Et on avait le Chacripin niveau 40 et le reste niveau 39. Ok. Je peux pas lui parler. Bon, bref. Admettons. Est-ce que si je ressors, est-ce qu'il est à nouveau là? A priori, non. Bon. Bref. Allez, on va se faire le dojo. Parce que je vous rappelle qu'on avait eu 4 badges. Il nous reste Koga, Morgan, Auguste et Giovanni à faire, mais Koga, je crois, il est niveau genre 45 à 48, un truc comme ça. Morgan, niveau 50. Oh, Ammonita. Bah, bonne meringue, écoute. Ouais, donc j'allais dire, ils sont assez élevés en niveau, les deux prochains dresseurs, les deux prochains champions. Mais on a masse de trucs à faire. On a ce petit dojo qui va... Il va rien nous prendre. Ah, Météor ne loupe pas quand je fais vol. Ok, je m'en souvenais plus du tout. C'est pas très grave. On va lui ressucer la vie qu'on nous a sucé. Donc oui, il y a plein de trucs à faire. Hein. Il y a aussi le... Comment ça s'appelle la Sylph SARL. Il me semble qu'on peut la faire dès maintenant. Donc, go for it, mon gars. Et il nous envoie un Palpitoad. Allez, on va lui sucer la vie un peu. Bouffe. Shadow Claw. Ok. Il nous fait un critical. On va se régène un poil. Mirror Move. Aïe. Ouais, du coup, il refait Draining Kiss, donc ça va. On va continuer là-dessus. C'est pas mal. Triple attaque, triple dégâts. Comme il disait si bien dans Pokémon Stadium. Puis on va lui faire un lance-flamme, ça devrait suffire. Yes. Donc il y a un masse truc à faire. J'ai battu ta mère. Ta mère avec la Monita. Il y a un autre ta mère. Enfin, c'est un Tamer. Hein. What the fuck? Putain, la tronche du sprite de Darumacho. OMG, cette horreur. Bonne meringue, hein. Ce qu'on va faire, on va faire du dégât. Puis bonne meringue, c'est tellement pété, ça attaque deux fois, quoi. Pff, critical. Je le one-shot. Le respect n'est plus là. KFC niveau 40. Ok, Regice. On continue avec le KFC. On va brûler des fesses. Voilà. Et on provoque le réchauffement climatique, car Regice est mort. Juge un point. Quoi qu'il parle d'un point, lui, the fuck. Alors, du coup, lui, on l'a niveau 40. On va switcher sur Freezer.
Let's go. Je me bats avec des gros rochers. Moi, je me bats avec mes grosses boules. C'est aussi de gros rochers. Chacripin. Ok, donc le Freezer. Et comble du miracle, Freezer, il a Jump Kick. Bon, par contre, colère, ça peut faire mal. Ça va. Jump Kick. One shot. Nickel. J'ai rebattu ta mère, encore une fois. On va battre 4 fois ta mère. Vu que les karatékas, ça devient des éleveurs. Alors lui, il envoie... It's Pikachu. Ok. Puis on va faire surf. Allez. Un bon surf. Un bon one-shot. Lui et son bon one-shot. Ok, bon, on va continuer avec surf. Vu que c'est un petit proche insecte. Le petit Dwebble. Peu importe son nom français. Et un Malos. Le sprite est horriblement moche. Le resurf, allez, on va. On surfe sur la vague. One shot, bim. Et re ta mère. Voilà. C'est une blague facile, comme ta mère. Bon, on va affronter le dernier. Grunt. Je suis le maître karatéka. Je suis le leader ici. Foua. Putain, mais les... les dialogues ingés sont priceless quand même. Ok, donc le maître karatéka, c'est également ta mère. Shinshu, ok. Lupio, donc... Ou plus on voyait Minecraft, est-ce qu'il a une attaque sol? Rock Slide, ok. J'ai bien fait de switcher au final. Ace, ça annule les changements de stats, c'est pas très grave, il n'y en a pas eu. Normalement je devrais le one-shot. Yes mon gars. Pokémon suivant s'il te plaît. Il a le cryptogétique, mais c'est pas grave. On se calme avec les attaques super efficaces, hein. Merci. Moi aussi, je peux en faire, mais moi, je te one-shot. Alors, on a battu ta mère. Argue, battu. Bien sûr, j'ai perdu, tu peux choisir un des deux Pokémon, blablabla. Alors, sauf que je me souviens très bien que... quand j'ai créé cette ROM, il me disait de sauvegarder avant de prendre ses pokés, parce que ça a des risques d'être méga glitché. La preuve. Donc on va reset. Ouais, le bouton reset. Ok. Donc la preuve que c'était bien glitché. Effectivement. Donc on ne pourra pas prendre de poké ici. La tristesse. Bon bah c'est pas grave. Je pense que du coup comme c'était Tainion et Kikli, ça devait être ça devait être les deux Pokémon que le maître karatéka avait. Donc au final, vu la tronche des deux poké, sachant que j'ai déjà super rapace America et Lupio bof. C'est pas une grosse perte au final, donc... Alors, on peut faire la Sylphes ARL, hein, voilà. Je ne vois pas du tout d'où vient cette musique, par contre. Mais elle est relativement stylée. Alors, qui dit Sylphes ARL dit plein d'objets, qui dit plein d'objets dit plein de dresseurs, et dit putain, merde, ça rame. Regardez comment il bouge le dresseur de fuck. C'est moche. Hey Kido, qu'est-ce que tu fais là? Et les Team Rockets, c'est des loupards. Chose que j'avais totalement oublié. What the fuck ce cri? What the fuck ce niveau de merde? On va leur rouler dessus, hein. Le poignard, j'ai fait un critique en plus. Mushana.
J'aurais pu lui faire surf. J'avais oublié. Ça va vite avec l'accélération de l'émulateur. Bonjour, je vais faire pause. Merci. Non. Je vais pas faire les stats. Switch. Et on va prendre pénétrateur. Au calme. Bonjour, madame. Ok, donc les madames, ça doit être des scientifiques. Des scientifiques qui sont devenus des jongleurs. Qui en sang coquille. J'ai hésité sur le nom. Pam pam pam. Force. Parce qu'on est tellement au-dessus que. C'est hallucinant qu'ils soient aussi faibles en fait. Waouh, Umbreon. Le sprite fait vachement chat. Ah, par contre, il a une bonne def. Hein. Et mon dieu que c'est moche. Ah la vache. Eh, ça se voit que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, parce que j'ai déjà eu ce sprite, mais... Ah putain. Bon, j'espère que j'arriverai à vous bourrer les épisodes, hein, pendant que je serai en vacances. Rien n'assure la bonne connexion, donc bah, on verra. On verra bien. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah vous aurez ça début septembre. À peu près. Ice Punch. C'est plus de faire fin août si j'arrive pas à les mettre courant août. Mais je pense que j'arriverai à les mettre quand même. Même si c'est un ou deux par semaine. On va tenter. En attendant, je biffle la Team Rocket. Voilà. On biffle le loupard. Alors, c'est bizarre que quand je reprends les mouvements, ça me bloque. Enfin bon, je vais pas comprendre. Alors là, il me faut la carte magnétique. Là aussi. Et là, il y a la nana là au-dessus. Elle nous apprenait explosion à 1G. Étant donné que les move tutors sont aussi random, il me semble, de souvenir. Bon, on verra. Alors, je vais pas prendre les téléporteurs pour l'instant. On va essayer de se taper les étages normalement. Alors, à gauche, deux souvenirs, c'est là où il faut vraiment aller. Ok. Bah, Ice Punch, hein, écoute. Ok, il y a eu du level up. On va continuer avec Pénétrateur pour l'instant. Jusqu'à la fin du combat, on va switcher qu'à la fin, puisque... Voilà. Ah putain, oui tu abandonnes, c'est bien. Tu es un bon Rocket. Ah ok, ça rame le temps que les portes magnétiques se remettent. Ok. À chaque fois, je vais me faire avoir à cause des CS. Pringles. Let's go. Je travaille pour la Sylph. Ok. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Putain, on peut pas courir, c'est chiant. Il y a du téléporteur. Ok, non, je ne voulais pas prendre l'ascenseur, merci. Alors, bijoux. Alors là, on a un Team Rocket. Intrus détecté. Nous envoie un Slowbro. C'est hallucinant quand même la chance que j'ai à chaque fois que je change de poké. Le poké adverse est sensible à un des types de mes attaques. Par contre, ça fait mal. Par contre, là, je pense qu'on va switch. Il nous fait Energy Ball. Donc, on va envoyer Freezer. Parce qu'il a Mega Horn, qui est de type insecte. Come on, Slam. Ok. Mega Horn! One shot, parfait. Sous évolution de mon poké. On va garder Freezer. On va peut-être pas garder Freezer. Je réfléchis. Envoyer Chakripin. Parce que je sais pas qui choisir.
Parce qu'il y a le Shockwave, voilà. Critical. Et un Tilton, ok. C'est le one shot. Qui es-tu? Je suis Erwan, je viens biffer des culs. Alors par contre, on va pas hésiter à les soigner tout le temps. On a l'accélération, c'est fait pour ça. Voilà. Non, ça dure pas très longtemps, voyez. Par contre, ouais, si on se prend les arbres, ça va moins le faire. Alors, on était déjà au troisième étage, je crois. Alors, on était là. Donc, lui, on vient de l'affronter. Alors, il y a quoi par ici, déjà? Alors, il n'y a pas grand-chose, à part un mec. Alors, je sais que dans la Sylph SARL, il y a un endroit pour soigner ses Poké. Je sais plus à quel étage c'est. Ça se trouve, c'était à cet étage. Hein. Axolotl, ok. Sublime. Nickel. Et Leafeon. On va continuer avec, avec Raphaël Psy. Ça me paraît être une bonne strat. Il est confus en plus, parfait. Oh, le doux bisou. Et je fais dodo ta maman. Il fait Shadow Sneak. On peut encore en encaisser un. Il se hurt himself. Je vois bien que je me réveille. Krabbehammer. Tu peux te lever? Oh putain, c'est pas vrai. Je jouais surtout sur le... Eh, sérieux, le mec, je switch. Bon, j'ai des Awakening, je voulais éviter de les utiliser, mais... On va pas avoir le choix. Fire Punch, t'es mort. Bon là, flemme, hein. Awakening. Comme Link. Voilà. Là, il nous faut... la carte magnétique partout, il y a des items. Ok. L'étage suivant. Faut qu'on chope la carte magnétique. Il y a cet étage, d'ailleurs. Montre un peu de respect à la Team Rocket. Certainement pas. Ah, Water Pulse, allez. Ah, déjà, là, tu vois, le niveau du Poké, c'est déjà mieux, là, niveau 33, mais c'est toujours pas ça, hein. Faut que je monte au niveau 44, à peu près. 44-45, voire plus. Je crois que c'est vers les 45 et plus, donc... What? Vous voyez pas y avoir d'enfant ici. Je crois qu'il est bien 45-48, Koga, un truc du genre. Si je dis pas trop de bêtises, c'est dans ces eaux-là. Oui, please, niveau 29, quoi. Ou augmente ta défense, je te dirai rien. Oh, les Water Pulse contre Branlette. Hein. Nickel. Parce que ouais, on n'aura pas vraiment le choix, hein. Faudra qu'on affronte des Poké sauvages pour entraîner les... Pour entraîner le tout. Looks like we don't have a choice. La carte magnétique est juste en dessous. Pour ceux qui savent pas trop le jeu. Marre-toi. Un jongleur. Pourquoi pas? Ça tombe bien. Fire Punch! Le bon Falcon Punch dans la gueule. Niveau 40, et bah il a pas mis longtemps à level up. Oh putain! On a fait la manoir. Pourquoi pas? Un Poké bien faible à mes attaques. Encore un Poké bien faible à mes attaques. Putain, Minecraft il est multifonction. Hein. Je sais pas s'il a pas le type glace. Ouais, bien ce qu'il me semblait. J'avais un léger doute s'il gagnait le type glace ou pas en évoluant Coquillasse en Crustabri. Apparemment, oui. Alors. Et un Rocket. Qui nous envoie un 100 coquilles. Le 100 coquilles. On va lui faire un petit Night Slash.
Il devrait avoir très mal. Colère, pourquoi pas. Boum. Et pour y accéder, rien de bien compliqué. On verra après pour les TP. Hein. De toute façon, les téléporteurs, ils vont nous amener à des endroits où on peut déjà aller. Ok, donc j'ai eu la carte. Je sais pas trop quel étage je suis, là. Ok, je suis à un étage où je suis pas du tout allé, en fait. On verra après, hein, pour ouvrir les portes. On va faire ça de façon méthodique. Allez. Il y a plein de gens, là. On va... Je vais me faire avoir à chaque fois, je vous le dis. On va envoyer Chakripin, il a pas trop eu son moment de gloire dans cet épisode. À part contre un poké. Ou elle meurt. Eh, putain, mais sérieux, quand je vous dis que j'ai du... J'ai la méga chatte. Voilà, Shockwave. Et là, ils vont m'envoyer un type seul. Putain, mais... Et comment je devine, quoi? Ah putain, ce devin. Allez, moi je dis le prochain en lead. Il m'envoie un type feu. Allez, soyons fous, prenons les paris. Alors par contre, il est où ce connard? Bon là, c'est que des... C'est que des esclaves. Des otages. Team Rocket, allez, envoie un type feu, je sais pas... Reptincelle. Kadabra. Il est pas type feu. C'est dommage. On va lui faire un shockwave dans la gueule. Ok, il me fait un double kick. C'est super efficace, mais ça me fait pas grand chose. Par contre, on va lui sucer de la vie pour récupérer les points de vie. En plus. Oh la gueule du... La gueule du what what. OMG. Quelle mocheté. Ah mais non, mais je suis con. Dazzling Gleam, ça permet pas de récupérer des points de vie chez des bilos. C'est Mega Drain qui permet. Je pensais que c'est les deux attaques qui permettaient. Et c'est ultra moche. C'est pas très efficace, mais midlife, hein. Hurlement, je suis d'un niveau supérieur donc ça ne marche pas. Je suis pas très efficace et on l'a battu. Traître, mon gars. Je m'appelle pas Jon Snow. Le président, Takashi Branch, je lis pas ce que tu dis, je m'en bats les couilles. Alors le jongleur, le doublé de Chakripin. Dazzling Gleam! Parfait. Niveau 41, Chakripin. Gla, 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 gla. Bien sûr, je sais même pas ce que je voulais dire. Un mot qui commence par gla. Je crois que je voulais dire bravo et... je sais pas, glavo, voilà. Head Smash. Bon, ça va, Chansey, il a pas beaucoup d'attaques. Ça devrait le one-shot. S'il te plaît. Voilà. La défense de Levenard est absolument à chier. Je suis sûr que même attaque charge d'un niveau 10, ça le met KO, quoi. Mon dieu que c'est moche. Hein, les vaux de Venalg. Et... Ok, what? What? En slam. Si, c'est Nyctos. Ça va me faire 25 points de dégâts. Voilà. Allez, relance flamme, le critique. Niveau 41, parfait. Et un Tarinor, on va lui absorber sa vie. Parce que les types proches, c'est bien connu pour être des sacs à points de vie. Brume, si tu veux. En attendant, je suce le petit Tarinor. Et on baise le Pokémon de la Team Rocket. Bien évidemment. Freezer, allez. On va continuer un peu, on va faire un épisode de...
une petite demi-heure, histoire de... Ok, là on a un TP. Parfait. Je peux vous dire que c'est parfait. Bonjour. Bonjour, j'ai la voix qui déconne. Alors... What the fuck, c'était quoi ce cri horrible? Remarque, c'était quand même assez stylé, mais c'était très bizarre. Mega Horn, car tu es un bon type plante. Touche 5 fois et B, ça fait pas chier. Par contre, le nombre d'XP qu'il m'a donné, et B. Jump Kick, au revoir Givrali. C'est nickel. Quelle bonne reprise de Pokémon Rouge. Hein. Ok, comment j'ai bugué pendant 2 secondes. Continuons par là. Oh, je sens un petit rat. Connard. Oh, doudou. Je sais que c'est le sprite officiel 1G, mais mon dieu que c'est moche, quoi. Well, merde. Critical. Allez, un petit jump kick. Parfait. Voilà. La team Kékette. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se refera tout. On se refera tous les étages, tranquille. Pour bien tout fouiller. Ok, on va faire surf. Ouais, on va refaire surf. Et resurf. Et je sais que je vais très vite. Mais, les gars... Je suis 10 niveaux au-dessus, quoi. Je peux me permettre de spammer à mort, quoi. Ok, on est dans un étage cool. L'Openly, on voit son nombril. Aïe, ça par contre, ça peut faire très mal. Ça fait rien en dégâts. Je croyais que ça devait faire la moitié des dégâts que je devais infliger. Ou un truc comme ça. Je confonds peut-être avec une autre attaque, mais... ouais, pénétrateur à l'attaque. Super Fang. Super Fang qui fait... qui me fait perdre la moitié de mes points de vie, bien évidemment. Un pois chijon. C'est la première fois qu'on le voit, d'ailleurs. On l'a pas vu longtemps. Et un feu forêt. Bah, Earthquake pour terminer. Au calme. Voilà. Alors, ouais, on va. Est-ce que ce serait pas là où on peut se faire dodo? Non, c'est un étage sur la gauche de l'étage et c'est avec une nana. Genre pas là, tu vois. Ok, c'est le troisième des quatre frères Rocket. ATV. Ou du surf. Tu peux penser que j'ai pas switché, c'est pas grave. On va switcher maintenant sur Pringles. Et on va faire Thunder. Critical, super efficace, on l'a atomisé. Et un gros moche. Mon dieu que c'est moche. Water Pulse, ça suffit largement. Donc Pringles en leader. Bonjour madame. Cause des problèmes. Non. Pas vraiment. Oh, Bern Knight! Grelasson. Première fois qu'on le voyait, on l'a pas vu longtemps. Allez, on va ouvrir cette porte. Bingo! La carte magnétique a ouvert la porte. Il n'y avait pas d'item, ok. Je crois qu'après c'est. Laisse-moi monter. Je crois qu'il reste 2 étages. Donc impraticable. Ça, c'était là où on avait été tout à l'heure, hein, avec le téléport, là. Ouais. Tangela. Sibim. Water Pulse pour le Galoppa. Et un chiot de merde qui est mort. On va finir cet étage. Ok, donc ça servait à rien, la carte magnétique, ici.
On va finir l'étage d'abord, avant de finir l'épisode au Roi Gada. Level up de Pringles, Oshawott, on foudroie la Team Rocket, on défonce tout. C'est pas là qu'on peut soigner ses pokés? Si, c'est là! Eh, c'est parfait. C'est avec cette dame, normalement c'est une dame. Alors du coup, on va aller affronter le Rocket avant. Switch pénétrateur. On va le soigner. Voilà, on s'en fiche, on a du fric. Ice Punch, je vous dis que j'ai de la chance. Hein. Rayquaza, au revoir. Allez, encore un truc faible de la glace. Ah non, c'est un type glace par contre. Earthquake. Ça n'a pas suffi, c'est pas grave. Ice Punch, critical, hein, bien sûr. Bon. Eh ben, c'était un bon épisode. On va se soigner. Ah, il n'y a pas eu le tam tam tararam. Donc, on a notre équipe qui est Max Power. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous dans l'épisode de 19. Je voulais juste me mettre comme ça. Non. Voilà. Pour l'épisode 19, donc salut à tous et à la prochaine. Ciao, ciao, les gens.